Chez cette semaine, t'as les cuisses de poulet en spécial là, à 99 cents la livre, ou si tu préfères 2,18 le kilo. La semaine passée, on l'a eu à 88 cents, là, quelque part ailleurs, mais là, à 99 cents, c'est vraiment la meilleure place cette semaine pour la cuisse de poulet. Pas cher, puis chez IGA en plus, fait que c'est le fun. Tu sais, hein, ça c'est super le fun. On peut faire plein de choses avec ça. Alors, on peut faire bien sûr un petit souper style rôtisserie, mais ce qui est le fun, c'est qu'il nous reste plein de poulet par la suite, surtout quand on en fait pour la peine, pour plein de petits repas dans la semaine, des petits lunchs, des petits. Parce que là, dans le fond, les lunchs, pour certaines personnes, on a besoin encore, c'est sûr, mais faut quand même dîner. Hein? Les enfants sont à la maison, fait que là, ça prend des dîners, fait qu'on va faire des bonnes salades. On ne veut pas non plus là, commencer à se casser le pompon non plus, mais en même temps, ben, c'est le temps aussi de se faire des dire, regarde, on va se faire des bonnes recettes. Alors, il y a des beaux spéciaux, là, fait qu'on va se faire des belles recettes, on va en profiter, on va être en famille, puis on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Souvent, on mange sur le pouce, mais là, vu qu'on a le temps, on sort pas de la maison, fait que hein, c'est le temps maudit d'en profiter puis de bien manger, pourquoi pas, hein? C'est ça. Chez IGA aussi, qu'est-ce qu'on a? Écoute, le demi-filet de mignon, hein, c'est un filet mignon. Il est tout pareil, il est sous vide, tout pareil. Même la petite membrane, sans m'enlever, tu la regardes tout le temps, là, parce que tu sais, hein, petite membrane, faut, tu laisses pas ça là, mais celui-là, il semble vraiment bien paré. Il est à 15,99 la livre, ou si tu préfères 35 et 25 le kilo. Ça, écoute, c'est super, là. Ça, tu peux couper ça direct puis le manger de même. C'est super bon, c'est du filet mignon, tu peux pas manquer ça. Il y a plein de recettes que tu peux faire avec ça, puis vu qu'il est paré, ben, il n'y a pas vraiment de manipulation de viande à faire, là, tu sais, à commencer à dégraisser ça, puis quand on n'est pas habitué, puis on n'est pas bon avec le couteau, on a peur de se couper, là, tu sais, comment est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment idéal là, pour cuisiner avec cette viande-là, parce qu'elle n'a rien à faire. Tu la sors du sac, puis merci, bonsoir. Hein? Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le filet de morue à 7,99 la livre, où tu peux faire 17,61 le kilo pour du bon filet de morue frais. Ça a bien du bon sens, là. C'est la meilleure place cette semaine là, pour ce qui est de la morue fraîche. C'est chez IGA. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Mais va voir sur le site de Papa Papa, tu peux t'abonner, hein, VIP, puis le voir vraiment la liste, puis comparer toujours la liste de la semaine d'avant avec celle qui s'en vient, puis tu peux faire toi-même tes comparaisons. Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans une page, tu as les cinq épiciers, là. Tu n'as pas besoin de commencer à checker toutes les circulaires. Là. Je t'ai déjà décortiqué ce qu'il y a là sur la liste. C'est les meilleurs rabais, les vrais rabais seulement. Puis là, avec ça, ben, tu peux te faire un menu puis sauver énormément d'argent à chaque semaine. C'est ça. Puis au bout de l'année, ben, c'est des milliers de dollars que tu vas sauver. Ton abonnement à Papa Popote, c'est des peanuts par rapport à ce que tu vas sauver. Fait que je te le conseille vraiment. Puis surtout, je veux que tu fasses attention à toi cette semaine. Hein? Tu restes chez vous. Tu suis les conseils, hein? On a un super gouvernement qui nous donne des conseils à tous les jours. Tu peux aller voir les vidéos de Papa Popote aussi. Moi, je prends toutes ces informations-là. Je vais sur les sites sérieux là, comme Radio-Canada, le site du gouvernement du Québec. Puis je te fais des petites vidéos là, avec toutes les informations à la sauce Papa Popote là, pour mettre un petit peu d'humour dans tout ça parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote pendant que je peux encore. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.